Salut les archis! Aujourd'hui, nous allons vous présenter la Robie House. C'est une grande maison réalisée par le grand architecte Frank Lloyd Wright et située à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis. La maison est du style architectural Prairie House, développé par l'architecte, et cette maison a été construite entre 1908 et 1909 pour un fabricant de bicyclettes, Frédéric Robie. La maison est conçue de manière à ce que la lumière la traverse. La cheminée, qui est au centre de la maison, se trouve au rez-de-chaussée, et autour de cette cheminée se trouvent la salle de billard et la salle de jeu. Le garage, contenant trois voitures, la buanderie, le cellier et l'équipement de chauffage sont au même niveau. Au premier étage est située l'aile de service de la maison, comprenant la cuisine et des chambres de domestiques, et à ce niveau se trouve aussi la salle à manger et le salon autour de la cheminée. Au dernier étage, il y a les chambres qui se situent encore une fois autour de la cheminée. En fait, cette cheminée domine la maison. La maison est constituée de briques, de calcaire, de bandes de bois et de poutres d'acier. Tous les meubles ont été conçus par Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright est un architecte américain né en 1867 et mort en 1959. Il a conçu la maison sur la cascade, la Price Tower, l'hôtel impérial et plein d'autres constructions encore. Voilà pour cette maison et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.